Yu-Gi-Oh, les règles ont évolué trop vite. Je connais pas. J'ai vraiment. Yu-Gi-Oh, j'ai vu quelques saisons, mais je me suis jamais penché sur le jeu. Vraiment. J'aimerais bien essayer un jour Yu-Gi-Oh pour voir c'est quoi le jeu. En vrai, il y a plein de trucs. J'aimerais bien essayer. C'est pour un JDG. Enfin, non, je pense pas. Même pour un papy-grenier ou même pour un jeu en vrac, je pense pas qu'il y ait moyen de faire un truc sur Yu-Gi-Oh. Parce que c'est vraiment que des jeux de cartes, il n'y a pas d'histoire, je crois. C'est pas vraiment ta génération Yu-Gi-Oh, c'est normal, JDG. Oh si, hein. Yu-Gi-Oh, c'est sorti quand? En 2000. 2000 tourons. Donc oui, je regardais, hein, 18 ans. Bah moi, je regardais des cartoons à 18 ans. En vrai. Aucune honte. T'as regardé toujours à 40, cela dit. Ouais, mais quand j'avais 18 ans, tu le disais plus. Tu le disais pas. Tu disais pas que tu regardais des dessins animés. C'était un peu la honte. C'était pas pareil, hein. 18 ans en 2000 et 18 ans maintenant, tout le monde regarde des animés. Mais moi, quand j'avais 17 ans, entre 16 et 18 ans, les gens, ils regardaient pas d'animés, quoi. Parce que déjà, il y avait pas Internet. Donc, il y avait quasiment pas Internet. Donc, tu pouvais pas. C'est pas genre tu les téléchargeais facilement. En gros, c'est si tu regardais des animés, ça veut dire que tu regardais les émissions jeunesse, quoi. En gros. Tu matais ça depuis Mirk. Non. Pas en 2000, hein. En 2000, Mirk, t'es fou. Mirk, c'est 2004. Quoi. Genre quand j'avais la DSL. En 2000, j'avais un modem 5... 2000, j'avais un modem 56K. Genre, tu crois que tu regardais des... tu crois que tu téléchargeais des trucs en l'an 2000? J'ai loué au Vidéoclub en cassette. C'est vrai. Est-ce que ça m'est arrivé? Oui, je crois, ouais. Ouais, me souviens. J'ai loué Urotsuki Doji au Stargame. En disant, ouais, c'est un animé. C'est un animé, regarde la jaquette, c'est un animé. Putain, j'ai retrouvé mon modem Liberty Surf en fouillant. Je l'ai gardé en pur souvenir, mon premier modem. J'ai eu ma connexion Liberty Surf 24 heures par mois quand j'étais en première, donc j'avais 16 ans. Donc c'était en 98. J'ai eu Internet en 80... Je crois que je l'ai eu en 97 ou 98, Internet. 24 heures par mois, c'est du délire. 24 heures par mois, je crois que je l'ai fait en 2 jours, quoi, mais non. C'est du délire, quoi, de penser que tu peux 24 heures par mois, c'est fou, quoi, quand tu y penses, quoi. C'était mieux avant, du coup. Ah non, non. Ah, pour Internet, non. Hein. 24 heures, ça faisait par mois, ça faisait quoi, 48 pages ouvertes? Bah, en vrai, 24, moi, je faisais du, je me servais de mon abonnement pour jouer à la quatrième prophétie. J'avais pas du tout sur le site. En vrai, il y avait même pas Google. Donc, à l'époque, qu'est-ce que j'utilisais? C'était Lycos. Genre, le moteur de recherche, il y avait Lycos. Et il y avait... Voilà.fr. J'utilisais pas AltaVista. J'utilisais Voilà.fr, je m'en souviens. Puis on allait parler... on allait chatter sur Voilà Chat. Et on allait élire Miscara sur caramel.com. Quel enfer. L'époque où quand tu mettais les cuicuis, là, les chapeaux-chapeaux, c'était trop cool. C'était genre t'étais trop in. Tu mettais les chapeaux. Je repense à toutes les phrases un peu cringos, genre qu'il y avait, c'était, il y avait des trucs genre salut les gens dans l'écran. C'était salut les gens dans l'ordinateur, bande de gens. Ah, frisson. J'aimerais trop revoir les conversations de l'époque. En vrai, attends, est-ce que, voyons, MSN son. J'essaie de taper. Voyons. Ça vous parle, ça? Ça, oui. Ça me parle plus. C'est 2002-2005. Ah, putain. Ça, là. Ce son-là, ça, c'est le son. Ça, c'est 2005-2007. Je sais pas pourquoi le son me trigger, le son de ce son me trigger. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que t'es en mode genre, ah, quelqu'un m'a parlé, j'ai pas envie de répondre. Je sais pas, il y a un truc comme ça, je sais pas pour vous. Voyons, attends, et voyons AOL, attends, les sons AOL, sound. Oui, bon, ça c'est le dial-up, bien sûr. Ah, maman, décroche pas, je suis sur Internet. À l'ancienne. Qui n'a pas connu ça, là? Les jeunes, là. Attends, et ça, voyons. Je dis rien. Est-ce que vous reconnaissez? Voyons, les vieux. Bien sûr, évidemment, c'est ICQ.
El Famoso. Il y avait quoi d'autre comme logiciel qu'on avait? Attends, voyons. Mirk, il n'y avait pas de son sur Mirk. Mirk, c'était pour télécharger les XDCC. Putain, c'est vraiment une époque de ouf. Hein. Que t'allais sur Internet, là, tu téléchargeais les XDCC à toute vitesse. Les DivX. Ouais. Les packs codec. Le Kalit pack codec. Diamond Tools, bien sûr, pour graver, pour faire des lecteurs virtuels, évidemment, bien sûr. Emule. Oh putain, Emule l'enfer. Hein. Emule l'enfer. 50% de chance de tomber sur un film porno quand tu cherchais n'importe quoi. Voyons, attends, et ça. Test pour vous le chat. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les vieux. Et non, c'est pas Win98, c'est Win95. Win98, c'était ça. Attends. C'est marrant, j'en souviens pas du tout. Moi, je me souviens, moi, c'est vraiment celui de XP qui m'a marqué, je pense. Le best. C'est juste le best, en fait. Il n'y a jamais eu un meilleur Windows depuis XP, en fait. Je mets une vidéo qui s'appelle « Le son que tous les enfants des années 2000 se souviennent », voyons. Bien sûr. Facile. Ah, c'était quoi ça? Chat, chat. C'est la DS, bien sûr. La DS, évidemment. Alors ça, ça moi j'aurais pas reconnu. C'était quoi? C'est le Nokia. Bien joué, c'était le Nokia, effectivement. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Ça m'énerve parce que c'est une sonnerie du matin. En fait, du coup, ça me met de mauvaise humeur. Ah, ta gueule. Ça, c'est universel. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, c'est la PS2, bien sûr, évidemment. Bien sûr, la Xbox, évidemment. C'est très anecdotique, la Xbox, en vrai. Alors que ça... Ça, par contre... Je trouve que Nintendo, ils ont vraiment nailed... c'est trop bien. Cette espèce de son-là, quand t'es sur tes jeux. Il y a un côté peaceful, je trouve, dans le menu de la Wii qui est exceptionnel. Oh, ta gueule. Oh non, ta gueule. Je veux pas entendre. C'était quoi ça? C'est l'ouverture de quoi ça? C'est un Windows, mais c'est lequel? C'est Vista? Non, je sais plus. C'est Seven? Ah putain, j'ai complètement oublié, tu vois. Bon, après, ça c'est facile. Ça fait toujours du bien. C'est exceptionnel. Xbox 360, c'est pas mal en vrai. Le son, il est pas mal. Il y en a eu deux pour les X360. C'est Wii Sport. Ça, je m'en souviens pas du tout. C'est l'ouverture de la Game Boy Color, ça. Je m'en souviens pas du tout. Ah, c'est la GBA, pardon, c'est la GBA. C'est quoi cette merde? Ah oui, c'est un téléphone. Mais c'était quelle marque déjà? C'est iPhone ça? Ouais, jamais eu. Ça, c'est la musique de fond. Ça n'a rien à voir.